Je suis Louise Fecteau, directrice générale de Compo Richelieu. Je suis également la directrice du projet de construction du centre de compostage régional. Bien, on n'est pas tenu nécessairement juste au plus bas soumissionnaire conforme. On avait des critères très rigoureux, à la fois qualitatifs et quantitatifs. C'est l'ensemble des cotes qui ont mené vers Arnois. En plus, bingo, on est avec un fabricant au Québec. Fait que je dis pas que c'est facile. En fait, ce que je suis en train d'expliquer, c'est que c'est pas la joie, le bonheur à tous les jours. Bon, il arrive tout le temps. Ça fait qu'on a, parmi tous les membres du groupe Arnois, on a toujours eu une collaboration exemplaire. C'est une innovation importante parce que il y en a d'autres qui tentent d'aller chercher les autorisations pour faire du compost en 2023 avec le contrôle des nuisances et tout ça. C'est vraiment pas facile. Là, on a la preuve ici que c'est faisable. On a abouti, on a un projet concret. Ça fait qu'on, non seulement on est confiant, mais c'est assuré qu'il y aura d'autres projets du genre dans les années futures au Québec.